C'est sûrement l'un des incendies les plus violents dans la capitale ces dernières années. Au moins 8 personnes ont perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi, vers 1h du matin, selon un bilan provisoire. Il y a aussi une trentaine de blessés, dont plusieurs pompiers. Le feu a pris en pleine nuit dans le 16e arrondissement, dans un immeuble de 8 étages. C'est un incendie exceptionnel et extrêmement violent qui s'est rapidement propagé, selon les pompiers qui ont mis plusieurs heures à maîtriser les flammes. Les opérations d'évacuation ont été impressionnantes et les secours ont fait un travail remarquable d'après les témoins et les survivants, évitant un bilan plus lourd. On ne connaît pas encore les raisons du sinistre, mais une personne a été interpellée, une femme, une habitante de l'immeuble incendié. Selon les informations du procureur de la République qui s'est rendu sur place, la piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs. Paris est en deuil, selon Anne Hidalgo, la maire de la capitale, ce mardi matin sur Twitter. Reportage.